Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter une application qui va vous permettre de travailler en hors ligne, c'est-à-dire indépendamment de la connexion, pour créer des activités interactives avec H5P. En fait, l'application s'appelle Lumi. Cette application permet donc de créer des activités simples. Vous pouvez la récupérer à partir de n'importe quel navigateur. Donc, vous allez la chercher au niveau d'un moteur de recherche. Vous allez trouver le premier lien qui s'appelle Lumi Education. Donc, en cliquant dessus, vous allez trouver la possibilité de l'installer en mode desktop, et vous avez bien sûr la possibilité de choisir soit l'environnement Windows ou bien Mac ou Linux. Pour l'environnement Windows, par exemple, vous allez télécharger depuis Microsoft Store ou bien vous allez télécharger le programme d'installation sur une seule machine. Et personnellement, je vous recommande ce lien, qui va vous permettre bien sûr d'avoir l'application à votre disposition. Une fois installée, l'application va vous permettre d'avoir deux onglets, bien deux blocs. Le premier bloc, c'est celui de l'édition de H5P. C'est là où vous allez créer réellement les contenus H5P. Le deuxième bloc, c'est un bloc qui va vous permettre d'analyser les travaux de vos apprenants en les collectant via d'autres dispositifs pour bien sûr les analyser. Il est possible bien sûr de changer et de paramétrer l'affichage de l'application à partir de cette roue dentée qui va vous permettre principalement de changer la langue utilisée parce que souvent vous avez plusieurs langues. Vous pouvez trouver par exemple l'anglais. Vous pouvez changer la langue en français. Il est possible aussi de voir la bibliothèque des activités proposées. Et là, vous avez une bibliothèque qui est très large, que vous pouvez la mettre à jour en fonction de vos besoins. Voilà, donc dans d'autres vidéos, je vais vous inviter à découvrir la façon selon laquelle nous pouvons travailler avec l'application Lumi en hors de connexion. Je reste à votre disposition. N'hésitez jamais à commenter cette vidéo et à promouvoir cette chaîne YouTube. Merci.